Rire et Chanson, le top de l'actu. Et c'est un Belge qui parle au français, ce Belge c'est Michel Frenat. Bonjour Michel. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Eh ben je sais pas vous, mais moi ça doit être parce que c'est vendredi, mais je vais super. Je viens de commencer le travail et j'ai fini dans 2 minutes. Pour moi c'est une bonne journée. Ouais, c'est vrai que c'est pas beaucoup 2 minutes en même temps. D'ailleurs je me demande même si ça vaut la peine que je la fasse cette chronique moi. Oui, alors tu sais Michel que si tu ne la fais pas, t'es pas payé. Actualité, le monde va mal et comme on dit en Belgique, ce qui n'est pas d'actu te rend plus fort. Oui. Alors aujourd'hui ce sera une actu légère. Très bien. Dans un commissariat argentin, 560 kilos de cannabis ont disparu. Les policiers accusent un rat de les avoir mangés. Et ouais, après ratatouille, voici ratadil. Un rat qui deal. Voilà. Alors si vous le connaissez peut-être parce qu'avant d'être dealer, il était coach pour les Tortues Ninja. Et c'est aussi le cousin de ratatatatatata. C'est un rat qui travaille beaucoup en Syrie en ce moment. C'est vrai. Actu légère, ça veut dire du people aussi, non? Et une actu people, une c'est parti mon petit Bruno. Oui. Sache que le prince Harry et sa future femme Meghan ont choisi le lieu de leur lune de miel. Ah. Alors, je sais pas vous, mais moi je m'en cale les steaks total. Ah bon, hein bon. Sans blague, moi je vais me marier puis tout le monde s'en fout de où je vais en lune de miel. Oui, mais eux ils ont des titres de noblesse. Et alors, moi à mon mariage, j'aurai des titres de noblesse. Yeah. Musique. Très bien. Ça y est, arrive à alors, oui. Merci pour l'hommage, Michel. Peut-être autre chose, finalement. Déjà, ça annonce un très beau mariage, oui, je tiens à le dire. C'est pas faux. Alors, oui, une autre info. En Belgique, une maison close proposant des poupées gonflables vient d'ouvrir. Non, mais allô, quoi. Une maison close qui ouvre. Oui, bah, non, mais allô. Oui, bah, j'ai vu. Genre, il y a une maison qui est close et elle est ouverte. Oui, on a compris, Michel. Allô, quoi. Non, mais j'ai vu, ça se passe dans un hôtel un petit peu rustique. Non, 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 pas rustique. Rustine. Surtout si les clients sont violents, en l'occurrence. Ah, oui, d'accord. Bon, Michel, actu légère, ça veut dire aussi actu historique. Ah oui, effectivement, mais dis donc mon Bruno, c'est fou comme on est cohérent ce soir, oui, aujourd'hui. Alors au Danemark, un enfant de 10 ans, oui c'est le matin, ben, ça dépend à quelle heure tu t'es endormi en fait, oui, c'est moi c'est dans 5 minutes. Il est en décalage avec la Belgique. Oui c'est ça, il y a le fuseau horaire qui est en train de foirer. Alors au Danemark, un enfant de 10 ans a découvert un trésor appartenant au roi Harald et datant de 980. Wow. Et ben moi je sais pas ce qui me fait le plus plaisir, cette découverte hors du commun ou le fait que les enfants jouent encore à l'extérieur. Et toi Michel, quand tu étais petit, tu jouais à faire des fouilles dans le sol aussi? Oh non mon bon Bruno. Quoi? Ah mon Dieu, ça fait remonter des souvenirs à la surface. Là, ouais. Je suis tellement heureux à l'idée que vous vous intéressiez à mes souvenirs de bambin. Ouais. Vous savez, le Michel que vous connaissez n'a pas toujours été ce gaillard de 70 kilos. 80 kilos. 90 kilos, j'aurais pas plus haut. 90 kilos, allez, adjugé, vendu. Non, quand il était enfant, le Michel alla trouver son papa. Papa, papa, je veux creuser un trou pour faire une piscine. Bien sûr, fiston. Alors le petit Michel creusa, puis vient la fin de l'été, et papa dit au Michel, dis donc, ton trou c'est de la merde, on va en faire un compost. C'est vrai? Non, non, bien sûr que c'est faux, enfin Bruno. Ah, bon. En Belgique, nous on joue pas les archéologues, une fois sur deux, quand on creuse, on trouve un bébé. Oh, oh c'est vous qui avez voulu que je fasse la chronique, oh, hein. Non, 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 Michel, non, c'est bon, non, mais bonne journée à tous. Ça vous a plu? Vous en voulez encore? Bah figurez-vous qu'il y a des vidéos là, et puis surtout, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube Rire et Chanson, là.